Et bonjour à toutes et à tous, c'est Mister97, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle acrome, Super Mario 64 The Green Stars. Super Mario 64, les étoiles vertes pour ceux qui n'auraient pas compris, voilà. Donc justement, on m'avait demandé récemment à Lyon, à quand la prochaine acrome. Eh bien, la réponse était toute simple, toute faite. Il n'y avait pas d'acrome intéressante qui était sortie pour le moment, je l'attendais qu'elle sorte. Donc, avec Sanji justement, on l'attendait, Green Stars, qui vient de sortir aujourd'hui, exclu, voilà, ça c'est sorti aujourd'hui. J'ai vu la vidéo ce matin, vu que j'ai passé une nuit blanche, donc si je joue mal, vous comprendrez. Vous saurez que c'est parce que j'ai fait une nuit blanche. Pas à cause de la chrome, mais on va dire. Je dors très très peu la nuit, donc bah, moyen drastique pour reprendre un cycle de sommeil, c'est une nuit blanche, après tu peux t'endormir quand tu veux. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà. Avec Sanji, on attendait cette acrome là qui est enfin prête. Donc là, vous voyez que j'ai testé en 10-15 minutes, je suis arrivé à 5 étoiles. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer. Donc, c'est une acrome vraiment qu'on attendait. Donc, justement, j'attendais de nouvelles sorties, des nouvelles acromes pour, voilà, pour refaire des vidéos de acrome de Mario 64 parce que j'en avais pas qui m'intéressaient pour le moment. Et donc, nous voici sur une espèce d'observatoire, la Super Mario Galaxy. Hein, vous pouvez voir là, c'est assez sympa, il y a le. À la porte pour aller au prochain palier avec genre un vide spatial. Là, une maison avec une. Ouais. Avec la porte. Cette porte-là, je sais pas à combien il faut l'ouvrir, mais il y en a une autre étoilée qu'on ouvre à la salle qu'on a vue là-bas au fond à 15. Bon, le scénario, je me suis pas attelé à parler à tous les Goombas, mais je pense que c'est basique. Bowser. À enlever la princesse Peach, Mario, tu dois la sauver encore une fois. Comme d'habitude. Mais bref. Oula. Donc voilà, donc franchement, ça fait plaisir pardon, de me retrouver sur du Mario 64 sur l'Enacron parce que ça fait un moment que j'attendais de nouvelles sorties, je vous avoue, je vous le cache pas parce que je m'emmerde un petit peu quand même. Et Sanji qui est pas prêt de sortir sa chrome. De sitôt aussi, donc voilà. Hein. Petite case dédiée à lui, d'ailleurs en passant. Ouais, ouah, j'ai ma première étoile. Youhou. Bref. Maintenant, allons affronter le King Bobomb. Again. Comme le nom de l'étoile d'ailleurs. Defeat the King Bobomb. Again. D'ailleurs, puisqu'on est sur du Mario, bah, je vais en profiter de parler. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous devez savoir que j'ai acquis bah, déjà il y a un petit moment déjà Mario Luigi 4. Et là, maintenant que j'approche à la fin du jeu, bah, je peux enfin vraiment porter un jugement sur le jeu. Et franchement, on a discuté avec Sanji et tout, et c'est vraiment le meilleur Mario et Luigi sorti jusqu'à présent. Franchement, il est vraiment excellent. J'ai pas encore fini le jeu, je suis pas très très loin de la fin du jeu là. Et franchement, bah, de ce que j'en ai vu, le jeu, je suis conquis quoi, c'est le meilleur Mario Luigi, donc franchement, je vous le conseille, si vous avez une 3DS. Alors, si vous avez pas fait les anciens opus, un peu comme moi, j'ai fait que le 3, j'ai commencé les deux autres, mais voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de références, par contre, je connais un peu les personnages, je connais un peu l'histoire, les personnages aussi des deux autres, et puis j'avais un peu commencé les deux autres aussi, donc voilà. Il y a pas mal, il y a énormément de références aux anciens jeux, c'est ça que j'ai trouvé sympa aussi. Les modes de combat offrent beaucoup, donc même si vous n'avez pas fait les anciens, je vous le conseille honnêtement, c'est un excellent RPG, vraiment très bon, bien fun, un bon achat en gros. Enfin, je ne suis pas payé pour faire de la pub, hein, malheureusement, c'est bien dommage. Ouais, voilà, bref. Hop, deux étoiles, en moins de 5 minutes. Non, je vous le dis, ça va aller vite. Bon, c'est vrai, j'ai tourné l'épisode juste avant, enfin, j'ai fait les étoiles juste avant aussi, mais. C'était quand même rapide. Attendez, on va faire une étoile que je n'ai pas fait. J'ai pas fait la troisième étoile de ce niveau-là, donc on va voir ce que ça donne. Alors, Behind Balls. Moi, sinon, je vais pas parler de la musique, mais c'est du Mario World. Hein. D'ailleurs, attendez, je vais regarder un truc. Ah ouais, non, mais. Je pense que c'est quand même mieux si j'augmente le son du jeu, voilà, là je voudrais mieux entendre le son du jeu. Voilà, je pense que c'est quand même mieux comme ça, non?
voilà. Pour en revenir au jeu, je vais arrêter juste un petit truc à côté, c'est bon. Enfin, voilà. Alors, c'était... Ouais, je sais pas quoi vous dire. Bon, ça fait vraiment plaisir de se retrouver sur du Mario 64, hein. Enfin, sur une Acrome, parce que, ouais, comme je l'ai dit avant, je m'emmerdais un petit peu, hein, parce qu'il n'y avait pas de nouvelle Acrome. Ouais. Et bim. Et bim. Et bim. Et voilà, je t'ai vu, ma belle. Incoming. Merde. Ah, mais ce monstre, ce fail monstrueux. Bon, sinon, que puis-je dire d'autre? Bah, merci encore une fois pour les 200 abonnés, hein, ça m'a pas fait plaisir, même si je m'y attendais pas vraiment, en fait. Et surtout, bon, je l'avais pas annoncé, mais je crois que je l'ai dit dans la vidéo de 200 abonnés que j'étais en fait en vacances en Italie, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Ah, vous me pardonnerez, hein, je suis désolé. Ok, 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 donc c'était rien d'important. Ah bah tiens, une autre. Bon, c'est la début de Mario World, hein. Bon, par contre, j'ai vu que 3 niveaux, pour le moment, hein, j'ai eu 3 niveaux, donc là, ça va être de la découverte, hein, oui, donc je précise, hein, vu que c'est sorti aujourd'hui, vous aurez sûrement l'épisode aujourd'hui, je pense. Ah voilà, vous l'aurez aujourd'hui, le jour où la crotte est sortie. C'était celle de la totale découverte, je ne connais absolument pas la Chrome, hein. Je vais bien te sentir, un peu logique. C'est logique, Elion, on dira. Ah, nuit blanche, faut m'excuser, nuit blanche. Voilà, je suis un petit peu fatigué. Un petit peu beaucoup, même. Alors là, je cherche. Ouais, bon bah merde. Aïe. C'est mal. Aïe, une étoile, étoile, étoile. Oh, oh, oh. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas du tout comment j'ai fait pour passer. Non, s'en fout, je suis passé. Voilà. Au moins, je suis passé. Bon bah, c'était ça qu'on va faire. Voilà, encore deux, on pourra débloquer la maison de Toad. Alors là, je sais pas du tout comment j'ai fait, mais c'était bon. Du grand art, mesdames et messieurs. Et la revanche du Womp, du roi Womp. Ouais, et on est dans la Womp Forest. Alors là, je peux, là, justement, pour ceux que ça intéressera les OST, bah je sais que je... J'ai des amis qui s'intéressent énormément aux OST des niveaux. Alors voilà. Quand tu connaîtrais les OSD, je vous les dirais, donc là par exemple, c'est l'OSD de Donkey Kong 64. Maintenant, je me rappelle plus du nom du niveau, mais ça signe aussi de Donkey Kong 64 pour ceux qui la voudraient. Voilà. Comme ça, vous le saurez. Ah là 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 là, pareil. Ah, mais j'ai fait des fails en carton, moi. Il fait chaud en plus. Et bientôt je vais mettre mon ordinateur, je sens parce que là trop là, c'est chaud. Aïe, mais c'est pas possible, trop c'est nul. Ah, cette petite musique, je l'avais, ça faisait un moment que je l'avais pas entendu. Nickel. Jean-Pierre. Vas-y. Ok, y'a... Ah, attends, y'a quelque chose à voir en haut ou pas? Non, y'a rien à voir en haut. Bon, hop. Voilà, encore. J'arrête pas de me prendre des dégâts inutilement, mais c'est pas grave. J'ai remarqué que je ne fais absolument aucune des étoiles qu'on m'indique, hein. Mais c'est pas grave. Womp Spins Revenge. Hop. Le roi Womp il est par là-bas. On peut passer directement par là. On part bien en même. Hop. Okay. Et le voilà.
Hello. Bon, j'aurais peut-être dû lire les dialogues, mais bon, vu que c'est en anglais, en fait, je prends jamais la peine de les lire, vu que c'est en anglais. Bon, vu que la femme de Sanji, la New Star, elle sera en français, là, je prendrai la peine de lire les dialogues. Bien entendu. Même avec les trucs de feu, là, ça reste facile, hein, ce boss. Bon, je vais faire un chouïa le son du jeu, parce que ça me casse un petit peu les oreilles. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. C'est quand même mieux comme ça. Maintenant, on peut accéder à la maison de Claude, mais j'ai pas envie. Voilà, ça c'est dit. J'ai pas envie d'y accéder tout de suite. D'ailleurs, je me demande si on peut mourir, mais je le testerai pas maintenant. Je dis là dans l'overworld, hein. Alors, attends. Explored deep into the forest. Ok. On va explorer dans la forêt. Ah, là, 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 là. J'aurais pas dû lire le panneau, non? Wow, Zeph! Wow! Du calme! What? Shit! What? Oh! Bon, bah, première mort! Ça nous aura quand même pris 10 minutes pour crever. Enfin, en 11, mais c'est pas grave. C'est pareil! En 11 minutes, on a eu 5 étoiles quand même! Ah là là! Bon, bah, on y retourne! Hop! Mais vas-y, que je mets les pantoufles! Oh, c'était pouce rouge! Pouce rouge, Mario qui ne touche pas! Toi aussi, j'échappe des esquives à la con! Là, je passe par là! Voilà, pour ajouter un peu de difficulté. Moi, bon, ça va être facile en fait. Hein. Et donc, ça se complique. Ça se complexifie, pardon, un petit peu vers la fin, enfin, vers la suite de la chrome. Bon, d'un autre côté, vous me direz, c'est le début, c'est un petit peu normal. 6 étoiles, et bien j'ai envie de vous dire, continuons, mes amis. On va découvrir le niveau, enfin, la maison de Toad. Dans la maison de Toad, il y a une pipe. Il y a un pipe. Et voilà, c'est la Fury Factory. Et donc il y a une usine dans la maison de Claude. Par exemple là, je n'ai aucune idée de quelle musique c'est. Alors, j'irais sur des Megaman en fait. Je sais pas. Voilà, là, ce moment là, ça me fait penser un petit peu à du Megaman parce que oui, j'ai déjà vu ce niveau juste avant. J'ai pris aucune étoile, donc là, les étoiles, je découvre. Je découvrirai. Voilà, là, je sais pas, le type de musique me fait penser à du Megaman. Maintenant, peut-être que je me trompe. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, me dire les OST, hein. Toujours sympa. Ok. Wow, purée. Wow. Hop. Ouf, ça va. Non, mais vas-y. Ah non, tu m'auras pas toi. Non, non, laisse tomber. I'm too strong for you, bitch. Ok. À l'aveugle. Wow. C'est chaud quand même. Et voilà une étoile. Wouhou. Bon bref. On nous en fait 7. C'est pas mal. C'est pas mal, mon cher Jean-Pierre. Flames Factory. Ouais, ok. Donc, j'aurai pas de message. Donc, on continue. Bon là j'ai pas parlé de la musique, mais on a tout ce qu'on peut, c'est Mario Galaxy, hein. Voilà. Burn the Big Bully. Ah bah il faut qu'on tue le Big Bully, d'accord. C'est normal, ouais. Ça va quand même que je lise les noms des étoiles de temps en temps. Hein. On va commencer un niveau. Ça serait bien, non? Bah ils ont dit The Big Bully, donc pas les Bullies, quoi. Bon, je pense que là-bas y'a rien. Il faudrait mieux y aller avec une carapace. Mais bon, sinon j'aurais pu faire une technique qui est propre à moi. Enfin, qui est plus propre à que j'ai appris dans Inacron. Mais déjà, elle est pas évidente à réaliser. Et en plus, je crois pas qu'il y ait vraiment grand chose à voir de l'autre côté. Donc on va laisser tomber pour le moment. Oh là là. Là par contre, j'aime pas, ça fait mal que je suis saut. Ah là là! Allez! Allez! Là j'ai eu de la chance! Ok!
Vas-y, je vais monter moi. Hop, yolo. Wow. Wow, c'était quoi ces prises là? Pas rassurant. Wow. Calme là, calme. Calme-toi. Un peu de la merde, mais ça passe. That's magic. Magic. You. Est-ce que je fais une save là ou pas? Non, on était fous. Et j'aurais dû. Ah le con. Ah le con. Ah le con. Ah le con. C'est pas grave, on va monter là. Bah, wow, tu te calmes, tu te calmes. Wesh, y'a rien en fait. Wesh, foutage de gueule. Bref, par ici. Il est passé par ici, il repassera par là. Ouais, fallait bien que je la fasse au tard. Ah bah tiens, le Big Bully. Voilà. Même avec les petites merdes, il reste facile quoi. Et voilà. Et de 8. Bon bah c'est bon. C'est parfait, c'est tout vert. Great work on getting 8 stars only. 7 more to go before you can go and battle Bowser. I found the wine captain. Ah bah non, tiens, j'ai pas encore trouvé la. Le switch LED, hein. Et bah, heureusement qu'il m'y fait penser, hein. Parce que pour le moment, on l'a pas encore vu. On va trouver les 8 red coins. C'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai totalement oublié le switch de la casserie télé, hein. On l'a pas trouvé. Bon, je doute qu'il soit dans ce niveau là par contre, mais c'est pas grave. On va quand même venir chercher parce qu'on peut encore 7 étoiles. Donc voilà. Hein. Ah, j'ai chaud, bordel! Des pommes de terre. Un bordel de pommes de terre, je me demande si ça a bon goût. Wow! Bim! Patate, mon frère! C'est à le cousin, qu'est-ce que j'ai acheté? Ouais. Ok, il y a un violeur à la place du bobong. Ouais, non mais si je fais une essai aussi, ça va pas le faire. J'ai ma vue qui se trouble à cause que j'ai pas dormi, c'est affreux. Je sais pas comment vous expliquer ça, en fait des fois j'ai la vision qui se floue en, fait. What? Huit? Et 5 passages secrets? Ouais, je vois le genre. Oh là là. C'est vachement chiant en fait, parce que surtout quand je joue, j'ai la vue là qui commence à devenir floue, c'est très désagréable. Bah j'en aurai trouvé 5. Vas-y, il m'en manque encore et toujours. Nous devons nous rendre vers l'infini, au-delà. Vers l'infini, au-delà. Ouais. La. Oh oui, le vent frais. Oh oui, je t'aime. Moi, j'ai du vent frais qui me vient dans le dos, ça fait du bien. Non, mais je commencerai même pas ce fail monumental. Let's go. Putain. Putain, vie, putain de sa merde, ça me fait chier. La, putain de merde, ça me fait vraiment chier. Allez-y, prends un pixel. La. Putain de merde, je veux que je me fail. Je vais péter un câble avec cette acrobe. Un jeu déconne, j'ai quand même trop tôt. J'ai vraiment de la merde.
pour pas changer. Mais vas-y, fais pas ton triple salto surtout. Mais oui, Mario. Vas-y, fais pas ton triple salto. Comme ça, après, je suis obligé d'improviser des sauts. Mais oui, vas-y, allez. Allez. Ah, ça me dérange pas, au contraire. On va juste te faire demi bêtement, mais c'est pas grave. Continue. Ouh, bah voilà. Tout ça pour. Je pense savoir pourquoi, mais c'est pour toi, ouais, c'est pour aller la grille en fait. Voilà. C'est ce que je pensais. En fait, on a glitché le truc, je crois que j'ai fait le bonbon de skip ou je sais plus quoi. Ah, pas besoin. De toute façon, cette toile là, on l'a glitché donc au pire, on s'en fout. Ouais, c'est moi ou il y a une étoile là-bas? Oui! Mais oui, j'ai bien vu un gros mini. Bon, d'accord. C'est pas le moment pour ça. Pour ce genre de référence. Mais oui, j'ai bien vu un gros minet. Enfin, dans ce cas-là, une étoile verte. Oh yeah, baby! Piece of cake! Bon bah, étoile facile, hein. Ta-da! You put a heal. Oh yeah. The forest, the redstone. Ah, je ne sais pas vous, mais moi, je sens le niveau de la casquette, la cache-quette ailée. Quel dédié à ceux qui comprendront. Je sens le niveau de la casquette ailée dans ce niveau-là. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je la sens cachée quelque part. Ça sent la casquette ailée, tu vois. Sans la casquette ailée. Ah, tu la ressens là. Non, bon, j'arrête. J'arrête mes conneries. D'ailleurs, on m'envoie un SMS en pleine vidéo. Voilà, super. Merci Z de te mettre en pleine vidéo. Qu'est-ce que dit, cousin? Merci Z, n'aime pas. Et pendant ce temps, je me paye comme une daube. Ah la 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 la. Olé. Y'a pas moyen de monter là-haut? Si hein, non, je sais pas. Eh non, moi je veux pas. Je m'en fous toi. Je pue. Je sens pas bon des têtes. Oui, parce que Mario il a reniflé ses fesses tout à l'heure, mais j'étais pas là. Oui, je dis de la merde, c'est normal. Je voulais voir si j'aurais pas un téléporteur en fait. Parce que je me suis dit, maybe, hein. Maybe yet, maybe not. Who knows? Ok, bon bah ça c'est casquette télé de peut-être. Et il me faut la casquette télé si tu veux y accéder. Pas d'autre choix. Bon, techniquement, si elle est pas dans ce niveau non plus, elle se trouve dans la factory quoi. Normalement. Dans la maison tour de qui fait office de Yulin. D'accord. Parce que la 7ème, je sais où elle est, mais pas la 8ème. Ah bah, voilà, la 8ème, elle est là. Et bah, c'est nickel. Oh là là, il fait chaud. Oh, mais fuck ma vie. Vas-y, cousin, je vais monter comme ça, moi, parce que moi, je suis une Kaira. Je suis une Kaira, moi. Je cheat le jeu, moi. Moi, je cheat le jeu, t'as vu, je cheat le jeu, je glisse, moi, wesh. Putain. T'as vu, moi, je cogne la tête contre le mur, là, wesh. Bon, ok, j'arrête. Vas-y, coup de tête. Yeah.
Alors on va la faire comme ça, parce que là j'en ai juste plein le cul. Voilà. Putain, je croyais juste qu'on était sur Skype. Mais c'est pas lui. Alors je suis concentré. Voilà, je vous le laisse, c'est bon, je l'ai eu. Bon, j'imagine que là. Waouh! Bon bah. J'imagine que le Switch, enfin le Switch, il est, il se trouve dans l'usine. À mon avis, mon humble avis, ça se trouve là-bas. Ok, il y a une continue, donc on va aller voir là-bas. Du côté de l'usine, alors, il y a une Kinder. Oh, je suis vraiment fatigué. Cogs and cover. Comme on aurait. Je vois pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. On va improviser, comme toujours! Comme d'habitude! Là, j'ai eu un truc là-haut. Attends. Oh, il me peut-être con. Il savait que je fasse ça. Est-ce que là, t'es assez hop pour faire des rats sur le mur? C'est assez haut, c'est assez. Ouais, il y a peut-être pas pour faire des sous-bureaux là. Et voilà! Bon bah. Plus facile de monter comme ça. Salut, cousin. Ok. On va essayer de pas tomber, ça m'arrangerait. Ouais. C'est quoi par là? Il y a des rouages. Ok, fou. Ouais, je vois. Non, mais t'es sérieux dans ta tête, toi? T'es un ouf, mec. T'es un ouf dans ta tête. Wesh. Viens de me culant, là. Wesh. Wesh, merde. Bon bah merde hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous on y retourne, parce qu'on est des warriors, parce que nous on a pas froid aux yeux, parce que nous on a pas peur. Et bim, cousin. Ça va bien faire. Olé. Et à l'aveugle en plus, hein. Pouce vert pour ça. Non, je déconne. Je n'ai pas demandé de pouce vert. Je ne m'appelle pas n'insérer prénom des youtubeurs. Absolu des youtubeurs. Vas-y, je vais tester un truc. Normalement, je peux faire des sauts en longueur sur cette toute petite surface, donc à voir si j'arrive à en faire une depuis le haut de la caisse. C'est vraiment une plateforme toute petite en fait, la caisse, donc. Oh, c'était très 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 serré. Et voilà. Ok. Ok, cousin. Ok, cousin. Ok, cousin. Et voilà! Bon, on s'en fait une petite dernière. Sort d'arriver à 12 et de bien conclure cet épisode. Ah bah en plus c'est pas la bonne. Bah voilà. Ah quand on y va comme ça, en freestyle, et bah ça marche. Ah c'est tout moi ça, j'ai vu en freestyle mais ça fonctionne. Pas collecter les pièces rouges, mais non, j'ai pas envie. On va y aller. Freestyle, bitch. Je vais pas y crever. Ah bon, bah, c'est sûr que si la caméra elle est mal placée aussi. Oui, ce n'est jamais la faute du gamer. On le sait tous, c'est jamais la faute du gamer. Toujours la faute du jeu, mais jamais la faute du gamer.
Vas-y, tu sais quoi? Ramène-toi, ramène-toi. Observe les autres, toi. Parce que voilà. Hop. Voilà. Ça s'appelle manipuler l'intelligence artificielle. Bah, d'un autre côté, c'était pas du cheat, hein. Je me sers juste de ce que m'offre le jeu, hein. A noter que je ne sais même pas s'il y a des cheat codes disponibles sur la ROM, mais je doute. Oh là 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 là. Là par contre j'aime pas ce genre de plateforme où ça glisse. J'ai toujours envie de ça. Olé, putain, c'est chaud. Cacao. Chaud le chocolat. Mais bon, si la caméra voulait bien se placer aussi, ça m'étonnerait. Et là, c'est pas comme si je faisais un saut à la touche. Ah 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 non oh. Purée, comment je me suis rattrapé. Oh là 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 là. Ah, c'est chaud. Merde. Mais vas-y, mais t'es chier que Mario pour ses sauts aussi. Putain, enculé, bâtard, épéiste. Non mais merde, si je rate les triples saltos, ça va pas le faire. C'est ma marque de fabrique, non je déconne, mais voilà. C'est quand même pas mal du tout. Ouais. Pour autant ici, on va à côté du colis. Ah, ça monte encore. Donc, ça fait plaisir avec la tuyauterie, hein. Ouais, bon, bah là... C'est-à-dire, c'est obligé, il y a quelque chose de caché là-dedans, quoi. Ouais, comme je disais, c'était obligé. Ce genre de fan va tomber. Oui, non, je suis en train d'essayer de cheater le jeu, je sais. Je suis en train d'essayer... Je sais que je fais une action très difficile à réaliser, enfin c'est compliqué mais je m'en fous, je veux remonter moi. Et voilà, remonter. Bon bah voilà. J'aimerais bien finir l'épisode sur la capture d'une étoile quand même, ce serait sympa. Vous pouvez me lâcher aussi les mecs là, ouais merci voilà. Hop, hop, hop. Non mais... Oh là là, mais ça me fait chier ce genre de saut. Hop, 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 hop. C'est mieux quand ça fonctionne. Hop, voilà, c'est chaud mais pas passé. Qui ne tombe rien à rien, comme on dit. Dans le métier. Et qui fait le con va s'en mordre les doigts. Voilà, quand même. On prend une sécurité parce que là, j'ai pas envie de crever. What the... Bon bah ouais, ouais. Nos commentaires, zéro commentaire à dire, rien à redire. Sur ce, ceci va conclure donc notre épisode 1 de Super Mario 64 The Green Stars. En espérant que ça vous a plu, je vous dis à très vite, sûrement pour la suite de la Chrome, qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Et donc je vous dis à très vite pour la suite, bye bye.